Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 28 du Let's Play de Topo Hospital. Et on en était à un nouvel hôpital. Un nouvel hôpital. Et là, cette fois, il s'agit de complètement gorgé de maladies contagieuses. Donc, la ville. Donc, ça pue un peu du cul, mais on va la faire. En dehors de ça, c'est un coin charmant. Alors, maladie contagieuse, j'ai peur de devoir piquer tout le long. Je pense que ça va être une partie très chiante. Je vous assure. Je vais la faire quand même parce qu'on est obligé, sinon on peut pas avancer. Mais c'est pas forcément le premier truc qui me plaît, quoi. Les niveaux d'hygiène. Donc je pense qu'il va falloir que j'installe des systèmes de climatiseur, d'accord. Comment ça s'appelle. Des éléments ici, il y a des choses pour l'hygiène. Par contre, est-ce que ça marche vraiment. Ça, c'est une bonne question, mais je vais les prendre. Alors, est-ce qu'on a justement... Il y avait une histoire de gel hydroalcoolique là, qu'on pouvait avoir un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas. Bibliothèque, réservoir, distributeur de bonbons, jeu d'arcade, solution, voilà, ça. Donc ça, je vais le prendre, oui. Alors, en même temps, tout est vert, d'accord, ok. Je suppose que quand on en place un... Ça change rien. Donc je sais pas à quoi correspond le taux d'hygiène. Mais on va dire que j'ai débloqué ça, maintenant on va voir si on en installe. Alors, on va commencer à construire déjà, comme d'habitude, la salle, le bureau du généraliste. C'est-à-dire la salle. On va laisser prendre toute la place, et puis on va mettre une porte ici. De manière à ce que on puisse mettre autre chose, voilà, en face, bien sûr. Normalement ça devrait aller vu que la porte est au bord, vu que le bâtiment fait, enfin la pièce fait 4 sur 3, donc du coup si on a que des pièces de 3 sur 3, ça posera pas de problème. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais je le dis quand même. Alors, on va installer les climatiseurs comme d'habitude. Ça va commencer à connaître aussi, hein. Je pense qu'on a fait le tour des climatiseurs, j'aimerais bien changer un petit peu. Ça pourrait être sympa parce que j'en ai un peu marre des climatiseurs, limite j'aimerais bien revenir au chauffage. Voilà, un généraliste, c'est super important, on va installer un élément qui sera la réception. On va coller le plus possible, comme d'habitude, à l'entrée. Alors, attendez, je me mets bien. Voilà, on va essayer de regarder exactement si elle est centrée. Là, elle est centrée. Voilà, et puis on va embaucher donc un assistant le moins cher possible. La joie que lui, là, en plus, il a un accéléré, développement de l'endurance. Bon, on va le prendre. Et puis on va embaucher notre premier médecin, qui sera un spécialiste en médecine générale. Voilà. Qu'on va mettre ici. Je crois que j'ai payé le salaire déjà des premiers employés, alors qu'il y avait quasiment personne, mais c'est pas grave. Je vais relever un petit peu parce que j'aime bien travailler plutôt comme ça. C'est pas mal comme ça. Voilà, et on va installer un cabinet de diagnostic, je suppose, juste à côté, et là il va me dire salle de diagnostic. D'accord, donc je vais faire attendre le patient et on va installer la salle de diagnostic général juste à côté. Voilà, comme d'habitude, on va installer au fur et à mesure. Ça, vous commencez à connaître. Et puis, on va mettre un lit, une espèce de lit, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bien, on va mettre une seule clim cette fois. Pas besoin d'en avoir plus. Voilà, on va mettre bien, parce que j'ai tourné la caméra, là, du coup, ça fait des conneries. Et on va embaucher un infirmier le moins cher possible aussi, vous pouvez déconner. Voilà, qui va s'occuper de traiter mon patient. Donc ça c'est bon. C'est déjà bon là, sachant que là on va avoir un trou en fait là dans l'histoire. Hein. Cependant, je vois pas comment on peut faire mieux à part placer évidemment les pièces au fond. Pharmacie nécessaire. Eh ben on va installer la pharmacie, parce que c'est ça que tu demandes. Alors, ce que je vais faire pour éviter de faire des bêtises, je vais faire ceci. Alors, vous allez me dire pourquoi. Ben, je vais vous répondre. C'est parce que je vois qu'au milieu là, on va peut-être pas pouvoir mettre des pièces trop grandes. Donc je préfère. Voilà. Mettre ça vers l'entrée déjà. Je préfère utiliser la place comme elle est actuellement, à savoir se réserver un 4 sur 3 ici, et peut-être là-bas qu'on pourra mettre beaucoup plus grand. C'est pour ça que je garde une grande pièce tout simplement. Donc le climatiseur c'est fait, je vais installer. Alors là j'ai besoin d'un infirmier, je voulais prendre un cher, donc on va prendre un cher. Voilà. Se soigner en pharmacie, donc jusque là on est très déficitaire, hein. Il n'y a pas de problème, j'ai gagné quasiment rien, cependant j'ai pas dépensé non plus grand chose. Je vais upgrader ça dès que j'aurai embauché un agent de maintenance et
mécanique. Voilà, donc, il est un peu cher, mais en même temps, il faut que j'upgrade ça. Super important, ainsi que ça d'ailleurs, message. Alors, on va peut-être attendre par contre, parce que ça demande un certain temps. Ouais, j'aimerais qu'il y aille toi par contre là, ouais, vas-y, parce que là ça prend un peu de temps d'améliorer quand même. Ouais, d'abord il doit réparer, je crois. Il doit réparer avant d'améliorer, je pense. Salle de diagnostic supplémentaire, je vais faire attendre le patient. Puis on va accélérer un petit peu parce que je pense que c'est pas forcément intéressant, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Voilà. On va attendre que la pharmacie. On gagne un peu de sous déjà avec la pharmacie, c'est quand même mieux. Par contre là il y a un. Ah oui, d'accord. L'infirmier qui attend que ce soit upgradé. Je vais upgrader juste après aussi, hein, ce truc là. J'aurais bien voulu avoir en fait quelqu'un qui upgrade plus vite, mais on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Voilà, donc on va laisser tourner la pharmacie tant qu'elle marche, surtout que ça a l'air de soigner, donc autant la prendre. Il faut que je vaccine 30 personnes. Et confort thermique, ouais, ça c'est pas un problème. Niveau 10, c'est pas un problème non plus. Donc c'est le taux d'hygiène en fait. Alors, le taux d'hygiène, je sais pas à quoi il correspond du coup, parce que. Il va falloir que je. La formation, t'es gentil. Voilà, donc toi le diagnostic, tu vas bientôt pouvoir y aller, t'inquiète pas. Et juste après, je m'occuperai d'upgrader la pharmacie. Voilà. Voilà, maintenant que toi t'as fait ça, tu vas juste upgrader. Ah ! Momification. Alors, ce qu'on va faire, on va accepter, on va mettre en pause tout de suite. Et on va installer la salle de momification. Tout de suite, c'est super important là sur ce coup-ci. Alors c'est pas traitement éclair parce qu'il fallait c'est ça. J'aurais bien voulu l'upgrader avant parce que là ça risque de faire pas mal de. J'ai pas mal de dégâts mais. Ah ! Elle fait 4 sur 3, donc vous voyez qu'en quoi c'est utile. Je vais pouvoir l'utiliser en fait cette pièce là. Vous avez vu la technique ? Je vais vous montrer hein, à quoi je pensais. Bon, j'aurais pu mettre la porte, alors attendez, il y a peut-être quelque chose que j'aurais pu faire. C'est déplacer ça là. Ça va rien changer au final, mais c'est pas grave. On va installer donc une salle de cryptologie. Voilà, et on va la mettre là, normalement, elle rentre pile. Voilà, vous avez vu ça, la technique. Et on va installer des climatiseurs comme d'habitude. Ça vous conseille aussi d'être habitué à ça. Je vais installer d'ailleurs juste après. J'allais dire. On va pas faire de bêtises parce que j'ai peur qu'il soit condamné si je fais ça. Voilà. Il faut aussi un infirmier ou il faut quoi ? Un infirmier. Je vais voir si j'ai un infirmier qui pourrait correspondre. Lui, il faut que je le prenne. Il est cher, mais après tout, si c'est lui qui traite l'urgence là, ça peut être fort utile. Donc, où j'en étais ? Je refais play, voilà. Là, tout devrait tourner correctement maintenant. Juste l'upgrade là de. Ah par contre là il faut que tu nettoies, alors attends, on va embaucher quelqu'un parce que je pense que l'hygiène c'est pas terrible. Si, taux d'hygiène 90%. Alors je sais pas à quoi correspond l'hygiène, honnêtement. Voilà, on va essayer d'accélérer ça. 90%, ouais, non, c'est ça. C'est bizarre parce que ça a baissé, oui ça monte. D'accord, donc l'hygiène visiblement c'est pas quelque chose qui est... Défi 4 personnes infectées, voilà. Attendez, j'ai été un peu vite. Puisque là, on doit absolument les choper. Ne les gaspillez pas, oui, je suis d'accord, mais c'est quoi ? Malédiction abdominale. Mais ça correspond à quoi ? J'ai passé trop vite. Ouvrez les yeux et les oreilles, cherchez les patients d'un infectés. Bon, on va attendre un petit peu, on va voir qui c'est qui... Ce travail bizarre. Attention, urinating anywhere in the hospital will not be tolerated. Alors le problème c'est que j'ai une infection et vous avez vu le nombre de personnes qui est ici. Forcément je vais l'avoir. Lui. On va essayer pour voir. J'avais raté. Cependant on peut tous les vacciner hein. Alors le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils sont peut-être pas tous là. Ah, il y en avait un qui l'avait. Il y en avait deux qui l'avaient. Donc il me reste 11 vaccins. Il n'y en a plus que un qui est infesté. Regardez bien, tout le monde a reçu le traitement, on est bien d'accord. Non, pas lui. Ce n'était pas un.
Il y a que ça dans mon hôpital. Alors attendez, où est le dernier? Parce que là j'ai vacciné tout le monde. Il reste plus qu'une personne. C'est une blague. Franchement, c'est une blague. Bon, je vais faire plaisir parce que je suis obligé, mais tout le monde est vacciné. Ça, c'est fait. Donc on va attendre qu'il y en ait un nouveau qui arrive. Ah bah là c'est que les momies, donc ça les momies on va pas y toucher. Alors attendez, par contre là ça le fait pas du tout. Mais je crois qu'ils veulent rentrer. Ouais c'est bon, ok. Y a pas la file chez les momies là, donc c'est parfait. 86% du diagnostic, c'est parfait pour moi. En espérant que la pharmacie se résolve rapidement parce que sinon on va être dans le caca. Chromatographie nécessaire. Toi tu l'étais pas. Je vais attendre le patient, le problème c'est qu'il me reste pas beaucoup de vaccins. Enfin il me reste pas beaucoup de vaccins, il m'en reste 8, mais il reste une seule personne qui est infectée, je sais pas qui c'est parce que tout le monde est vacciné. Donc chromato machin là, hein, c'est ça qui était dit. Voilà, chromothérapie. Pardon, je dis chromato, je sais pas quoi. On va faire ça. D'accord, la chromato ne monte pas énormément en taille. Donc on va faire ça. Attendez, parce que du coup il me reste une pièce de 2. Qu'est-ce que vous voulez que je mette d'une pièce de 2? Le truc a été fait exprès pour m'emmerder. Mettre des toilettes éventuellement, ce qu'on va faire. Si vous voulez qu'on fasse en plus, éventuellement une salle de pause, je sais pas si c'est possible. Et climatiseur. Voilà, mais comme d'habitude, on suit, hein, ça vous commencez aussi à connaître parfaitement. Je le dis à chaque épisode, mais. Voilà, hop. Une clim à chaque bout. Qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qu'ils embête? Il y a un truc non valide. Ah, bah le. D'accord. Voilà, là c'est bon. Et on a besoin de quoi là-dedans? Alors, par contre, voilà, virer le vaccin. On a besoin. Alors, ça, le grader, non. Infirmier nécessaire. On va embaucher un infirmier. Basique. Voilà, celui qui est bon au traitement. En plus, il coûte moins cher que celui au-dessus. Et on va le mettre. Voilà. Et on va essayer de trouver la maladie abdominale. Lui. Je sais pas en fait. Non, ils font tous. C'est pas le fait de. C'est parce qu'en fait, ils ont pas de. Ils ont pas de. Comment ça s'appelle? De banc. C'est pour ça qu'ils font ça. Et je pense pas qu'ils sont là. Il faut que j'en guérisse 30 comme ça. Il faut que je fasse 10 fois ça. What the fuck, quoi. Alors, je peux le vacciner en prévention, tu vois. Je sais pas s'il va arriver de toute façon. C'est le problème, on sait pas en fait où ils sont. Il y en a qui se barrent, attendez là, là il y a... oui, tu as été pas soigné. Effectivement. Enfin, disons que le traitement a échoué. Comment ça, il y en a qui cesse d'attendre les salles de diagnostic? Il vient de sortir, c'est... Je rêve. Je rêve. Ah oui, je sais que pour la pharmacie c'est un petit peu long, et là c'est fait maintenant. Voilà. Voilà, c'est ça, tu nettoies parce que j'ai besoin d'hygiène, mais cependant l'hygiène je suis parfait. Et là maintenant je sais pas qui c'est. Voilà. Je saurais pas qui c'est. Je saurais jamais qui c'est. Salle de hygiène nécessaire. Je vais la construire. Salle de. Et où? Haleine de hygiène. Pour info, après j'aurai plus de sous. Hein. Je dis ça comme ça. Alors attendez, ce qu'on peut faire, peut-être on pourra mettre une pièce supplémentaire, on va faire ça. On pourra mettre une ou deux pièces même entre les deux. Bah au moins une. J'essaie d'optimiser un peu. Bonus, ouais. Ah bah il y en a une qui est partie visiblement. Ou il y a autre chose, non c'est bon. Il n'y a pas autre chose. Voilà, donc on va disposer ça de chaque côté. Anxious. Voilà. Je vais tranquille aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis tranquille. Eat some. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un infirmier. Son défi. Ouais, je vais le mettre. Je sais pas si je vais réussir celui-là. Je vais mettre une salle de. Je vais mettre des toilettes dans le coin. Là. Parce qu'on sent qu'on pourra pas mettre autre chose que des toilettes, objectivement. Cependant, même c'est pas optimal, j'ai envie de dire, voilà. On va le mettre quand même. 2, 3, 4, 5. Ce sera toujours ça. On va mettre un climatiseur. Cependant,
Je suis pas sûr qu'on puisse en mettre au bout du coup. Si ça marche. Si ça marche. Voilà, donc on va en mettre un à chaque bout. Et puis on va ajouter. Alors attendez. Non, il me manque une un lavabo. Si je peux mettre là. Voilà, il y aura des toilettes. Nous pouvons améliorer votre désordre pour augmenter l'efficacité. Ouais, alors je sais bien, j'aimerais bien l'upgrader, mais il manque de peau, ça va pas le faire. Momie. Je sais pas si j'aurai les 9. Je pense qu'il va m'en rester au moins un qui va pas aller. Par contre, il manque un médecin là. Pourquoi il y a le médecin? Lui là. Non, il est où le médecin? Il y a un médecin qui s'est barré quoi. Ça c'est le truc, le genre de truc qui me gonfle. Vous êtes pas corporé avec les gens quoi. On va essayer de mettre une autre salle ici en fait. C'est pour ça que j'attends de voir si ça passe. Sinon, on va être obligé d'acheter un nouveau bâtiment. Je pense qu'on va acheter maintenant parce que sinon ce serait con de pas l'utiliser. De pas en profiter rapidement. Parce que c'est comme ça, après on se retrouve coincé à installer une salle et on peut pas l'installer. Voilà. On achète un nouvel espace, tout petit évidemment. Il me manque un médecin. Où est le dernier médecin là? Parce que là en fait il y a que des infirmiers. Attendez, là par contre j'ai un problème. J'ai personne pour les fantômes. Ah, est-ce que je peux cliquer dessus? Je peux pas cliquer dessus. Il y en a un qui est mort direct, sans déconner, il est mort direct après le traitement de la modification. Et là il manque un médecin. Ah oui, vite, mène-toi, ouais, voilà, toi, nickel. Parce que là il y a la file d'attente là. Oui, certains patients s'ennuient à mourir. Alors, attends, on va ajouter des éléments pour pas qu'ils s'ennuient à mourir. On va installer quoi? Réduit l'ennui et augmente le bonheur. Ouais, mais ça prend trop de place. Le prestige, ça c'est pas ça que je veux. Je vais mettre des posters, écoutez, mais pour les posters. Allons-y pour les posters, parce que vous voulez absolument mettre des posters. On va mettre des posters. Voilà, vous allez moins vous ennuyer. Alors, je spam un peu les posters. Hein. Sinon, j'ai peur que je ne puisse plus installer de banc après. Hein. On va les mettre dans les coins en fait où ça m'arrange pas. Par exemple là. Voilà, comme ça. On va se mettre 3. Hein. Ça, c'est débile, mais c'est pas grave. Voilà, on va les décaler parce que c'est pas beau. Non, pas lui. Non, c'est ça que je veux, moi. Voilà. Les posters. Franchement, je trouve ça minable pour rendre les gens plus heureux, quoi. Mais, où vous allez, là? Où? Alors, attendez, il y a une annonce. 3 décès de patients seulement. Une salle de diagnostic supplémentaire. Non. J'envoie en soins parce que je pense que ce sera très bien. Je vais installer... Alors, il n'y a plus personne à l'accueil. Voilà, allez-y. Barrez-vous tous. Sans déconner. On n'a pas le droit d'avoir des congés chez moi. On va mettre ça de chaque côté. Si ça passe. Voilà. Un autre ici. Pareil. Voilà. Comme là, dans le bout, on n'aura rien. On peut déjà replacer un aussi. Peut-être même à la moitié. Ça évitera de... Ça irradiera un peu mieux. Voilà, le couloir. Puis là, de toute façon, à côté de la porte, je pense qu'on n'aura rien non plus. Donc, on va faire ça. Voilà. Voilà, donc c'était pas mal, ça c'est fait. 80% de chance, moi j'en prends en soin, hein, 80% de chance, hein, faut pas déconner. Hein. Voilà, c'est bon, je crois qu'il y a assez de monde ici. Hein. Par contre, il y a personne à l'accueil. Oh, chier avec ça. Alors, attendez, on va faire pause. Il faut que j'embauche un assistant. De toute façon, un pas cher. Parce que je sais pas où est parti le dernier, c'est lui là, qui est en train de se balader, je sais pas où. Là. Ouais, c'est ça, balade-toi. Alors, on a une porte ici. On a une porte en bas et une porte en haut. On va commencer par la porte en bas. On va essayer de mettre une pièce, je pense, en bas. Alors, faudrait qu'il me demande au passage. Pourquoi il me demande pas autre chose? Je vais leur mettre. Alors, peut-être pas une cafétéria au milieu. Faut que je mette vraiment une pièce là en fait. Une pièce de 3 sur 3 serait nickel. Est-ce que j'ose la psychiatrie pour pas la perdre? On va faire ça. Alors lui par contre, stop. Toi t'en es un. Non t'en es pas un. J'ai cliqué sur le mauvais. Je crois que j'ai cliqué, attendez. Ouais j'ai cliqué sur le mauvais, sans blague. Voilà, ça s'en était un. Donc, c'est facile, il marche avec les deux mains devant.
Tais-toi. Je l'ai chopé. Il faut attendre qu'ils aient fait leur animation. C'est plutôt mal fait, il faut avouer. Franchement, c'est plutôt mal fait. Toi, toi. Voilà. Et là, il m'en manque un, comme d'habitude. J'arrive jamais à les avoir tous. Promotion. Non. Alors, attendez. On va terminer la salle, quand même. Fauteuil. Alors. Viens-moi le vaccin. Voilà. Bah, pourquoi ? Voilà. Là, faut que je prenne quelqu'un pour maintenir le bâtiment. Ça, c'est... Oh. Pourquoi tu me... Tu vas là, merci. Le fauteuil de psychiatre. Voilà, et on va mettre un climatiseur au fond, entre les deux. Voilà, et vous, vous allez éjecter de la salle. Voilà, promotion du personnel, je lui la donne aussi, comme d'hab. Ça, vous êtes habitué. Voilà, et donc maintenant, il faut que je trouve le dernier qui lève les bras. Alors là, pour... ouais, non, il faut que j'en bouge une personne, ça va pas le faire. Agent de maintenance, toi là, c'est parfait. Et toi aussi au passage. Ça coûtera un peu d'argent, mais. Donc, s'il y en a un seul qui lève les bras, on a gagné. S'il pouvait lever les bras, le dernier là, s'il vous plaît. Attendez, lui. On est d'accord, c'est lui qui est en haut là. Je crois que j'ai gagné là, ce coup là. Voilà. Et en plus, je gagne plein de sous, vous avez vu. Bonus de vaccin restant, ouais, c'est nickel. Je suis presque revenu à mes 250. Rendez-vous psychiatre, d'accord, ok. Il faut vraiment que j'embauche un médecin. Le problème, c'est que j'en ai pas qui est psy. Donc on va pas faire avec, hein. Elle attend devant le psy, mais il n'y en a pas. Il en faut une salle de repos, d'accord, ok. On va faire une salle de repos aussi très prochainement. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien avoir un psy. Et pour ça, il faudrait que je forme des gens. C'est pas forcément l'objectif. Confort thermique, ça devrait aller. Voilà, nickel. Donc là, j'ai beaucoup plus de recettes. Il faut juste un psy. Alors ouais, amener la santé, je sais pas quoi, là, allez-y. Je vais ajouter des éléments, je vais ajouter du gel, là, je sais rien, c'est une bonne idée ou pas. Tout est vert, j'ai l'impression que ça change rien. Moi je vais en mettre, écoutez, ça sera pour le fun, non. Faut dire que j'en ai mis. Hein. Donc, il me manque un psy. Toujours personne. Toujours personne. On va accélérer le temps, on va aller plus vite. On va attendre maintenant, écoutez, on a que ça à faire. Hein. Enfin, un traitement qui a échoué encore. Faudrait que je l'upgrade là, ce truc là, si je peux. Je vais l'upgrader juste après. C'est super important d'upgrader quand tout. Lui aussi. Par contre, j'aurais peut-être pas dû l'upgrader maintenant. Parce que le problème c'est. Alors, peut-être qu'ils sont deux pour pouvoir le faire. J'aurais un meilleur résultat. Donc, hygiène, je suis à 89%, c'est pas mal. C'est pas mal. Il nous reste les vaccins, mais c'est les vaccins qui vont prendre le plus de temps en fait, c'est un cauchemar. Tout en plus que ça vient quand ça veut. Hein. Ah par contre là il faudrait vraiment le psy, attendez, c'est pas possible. J'ai pas de médecin pour ça. J'ai dû rembourser un... Bah attendez, on va prendre un médecin pour la recherche. Voilà, nouveau candidat dans un jour, il n'y a rien du tout. Je vais l'embaucher aussi, l'idée c'est de faire une salle de formation, c'est pas bon. De toute façon j'étais obligé de faire une salle de formation, s'ils ne viennent pas, je suis juste obligé. Ce qui ne m'arrange guère. Mais vraiment, ce qui m'arrange pas du tout. Parce que j'étais obligé de les former. Et là, ils vont tous se barrer. C'est très con, hein, mais... Alors, attendez. Où c'est qu'il est la salle de formation? Formation. Alors, attendez. Déjà, on va faire play normal. Ça évitera les catastrophes de l'autre côté. Voilà, on va faire ça. Ça devrait suffire. On va le mettre là, parce que ça, on va faire un accueil. On va mettre celle-là. Et puis, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent... Vous devez savoir que l'idée c'est de mettre un maximum de fauteuils. Alors peut-être 6 sera déjà pas mal je pense. On va mettre jusqu'à 8 après tout. Écoutez, ça coûte pas très cher, on va mettre les 8. Et puis derrière on va mettre un climatiseur. Devant et derrière. Comme ceci. Voilà, on va embaucher encore un médecin. Bien. On va embaucher si tu as. Et on va faire une grosse formation pour tout le monde sur la psychiatrie. Parce que là, ça va me coûter la peau des rouleaux. Voilà. Alors, ça va coûter très cher. En revanche, là au moins, on sait que maintenant, il y en aura suffisamment. Donc là, j'ai eu très peu de recettes. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai une machine qui... Ah, bah, elle est presque finie. Toi, t'es presque finie. Et toi? Bah, tout est déjà à deux.
Ça va, d'accord, ils sont occupés chacun d'une machine, donc j'ai tout upgradé, c'est parfait. Ça, c'est pas upgradé, ça. On va l'upgrader aussi. Promotion du personnel. Encore une fois, le fait d'upgrader, c'est plutôt intéressant parce que on ne paye qu'une fois la somme. Donc ça vaut plutôt le coup, quoi, enfin, je trouve. Je vais plus l'upgrader, hein. Il y a déjà deux. Je vais faire une salle de recherche pour financer tout ça, là. Enfin, pour financer. On va mettre une réception aussi, ici. Bien collé. Et on va essayer de la mettre d'ailleurs au passage. Attendez. Vu qu'il y a une salle de formation juste à côté, on va essayer de la coller. Voilà, donc encore des vaccins à mettre. Juste à embaucher un assistant. Tout ce qui est plus normal. Voilà, et on va essayer de trouver ceux qui ont la malédiction abdominale. Alors, du coup, je sais pas les... Il ressemble à quoi là, ceux qui ont la malédiction abdominale. En fait, je sais pas, c'est le problème. C'est pas toi là? C'est pas ça. Je sais pas ce que c'est la malédiction abdominale, alors assis-toi. Ceux qui tendent les bras. C'est ceux qui tendent les bras. Alors si vous en voyez qui tend les bras, on est dessus. Alors défi du personnel, ça j'accepte. Puisqu'on ne risque pas grand chose encore une fois. Je promeux. Ouais, rien de spécial pour l'hygiène. Et là je suis obligé d'avoir les 30 vex. Hein. C'est une obligation, sinon je ne peux pas terminer le niveau. Faut qu'il y en ait un qui marche avec les bras devant là. Ceux-là sont déjà vaccinés. Personne n'arrive avec les bras devant, alors du coup on peut pas savoir. Ils l'ont pas tout le temps quoi, le symptôme. Toi j'ai cru devoir bouger à un moment, non? T'as pas bougé? Toi par contre t'as des pompes. Voilà, il me reste 2. 3. Toi tu lèves les bras mais non tu fais des yes en fait. Oui je sais les cabinets le psy, je sais, je suis déjà au courant pour le psy, oui je suis déjà au courant, je vous assure. Cette patient souffrant de modification, on va vous les donner. Allez, marchez là, marchez juste à le dernier pour que je puisse le choper. Les psys, ils en sont où? Et je construis une deuxième salle de psy en fait pour désengorger. Ce que je vais faire dès maintenant en fait, parce que je suis un peu obligé. Donc on va faire ça aussi. Et on va prendre tout le bas parce que sinon ça sert à rien de regarder. Je vais garder les salles voilà, au milieu. Faut garder la place. Comme ça, si j'en mets des bâtiments de 3 sur 3, ça passera en dessous. Ou ça, vous l'avez compris aussi, je pense, désormais. Alors, remettons les climatiseurs. Voilà. Voilà, comme ça, dès qu'ils sont sortis, les psys, je pourrais. Enfin, tous les malades de psychiatrie, je pourrais les traiter facilement. Bon, faudrait que je casse quand même. Attendez, parce qu'il y a des choses que j'ai pas fait. Notamment caser ces trucs-là. On va les caser dès maintenant. Allez, on s'occupera des lits juste derrière. Donc, qui tend les bras maintenant? Personne ne tend les bras encore. À part les momies, mais évidemment, un vrai, moi je veux. Formation terminée, voilà, parfait. Donc maintenant, ils vont tous aller. Où c'est qu'ils sont partis? Où c'est qu'ils sont partis? Ils s'en vont? Non, ils s'en vont pas quand même. Voilà, vas-y, s'il vous plaît. Juste, j'aimerais juste qu'il y ait un mec qui lève les bras. Comme ça, je suis tranquille. Il ne reste plus qu'un qui est infecté. Je le vois pas. C'est où est Charlie, franchement, quoi. Puis maintenant que j'ai deux bâtiments, vous allez voir à trouver, ça va être autre chose. Et lui, il a froid, l'autre. L'autre, il a froid. On est en zone chaude. Le gars, il a froid. Voilà, donc là, c'est bon. Au moins, là, ils sont soignés. J'aime bien qu'en bas, ils se soignent aussi. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Alors, bilan annuel. Allons voir ça. 5000, bon bref. Écoutez ce qu'on va faire, on va s'en prendre au prochain épisode pour essayer de détecter le dernier là qui a le... qui a la maladie truc abdominal là. Et puis je pense que du coup on sera pas mal. En tout cas on a déjà soigné combien? On a soigné 10, voilà, donc on a fait un tiers. Et donc du coup j'espère qu'on finira peut-être à l'épisode prochain ou à l'épisode d'après au pire. Bon, comme d'habitude, le Facebook, le Twitter, les mails si vous en avez envie, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!